à tous, chers amis du Petit Ballon. Nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier, Jean-Michel Deluge. Bonjour à tous, bonjour Martin. Bonjour Jean-Michel. Qu'allons-nous déguster aujourd'hui? Aujourd'hui, je t'amène au Portugal. Ah, j'adore ça. Et bon, la région mythique du Portugal, c'est le Douro, bien évidemment, pour les Portos. Au nord. Et puis, au nord. Et on a une tendance, effectivement, depuis quelques temps, les quintas, donc les fermes, pour traduire, qui font du Porto, ont tendance à mettre les meilleurs vins aujourd'hui dans des vins classiques. D'accord. Et donc, c'est le cas ici avec la Quinta de Poeira. Vous parlez bien portugais. Je ne suis pas très bon sur le portugais, mais qui nous sort de ces terrasses de Porto, il nous sort un vin rouge absolument magnifique. Parfait, moi j'ai hâte de déguster ça. Issu du grand cépage national, Touriga national évidemment, mais il y a aussi un petit peu de Touriga Franca, Tsutsao et Tinta Roriz qui n'est autre que le Tempranillo espagnol. D'accord, voilà. Parfait. Donc nous sommes sur un 2015. Et ce que j'apprécie au Portugal, c'est qu'il nous évite de nous faire goûter du Cabernet Sauvignon. C'est-à-dire qu'on a vraiment des cépages locaux formidables et ça, c'est bien. Ah ouais, j'ai pas bien compris le Cabernet Sauvignon. Parce que le Cabernet Sauvignon, on le trouve partout dans le monde. Voilà, au moins au Portugal, on a des vrais cépages autochtones. Ah, moi j'adore la couleur déjà. Ah ben bien sûr, on a des cépages qui ont de la couleur peau très foncée. Donc, on est encore sur un vin jeune, il est encore sur les notes un petit peu violines. Il y a du gras, c'est des vins, bon, on est dans une région ensoleillée. Même si on est sur l'Atlantique, c'est ce qui est étonnant quand on va à Porto, ce vignoble a un aspect méditerranéen. On trouve des oliviers, des orangers, etc. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est face à l'Atlantique, c'est tout à fait étonnant. Et on retrouve ça dans la richesse du vin. Parfait, au nez. Donc, beaucoup de profondeur, donc, c'est-à-dire que les arômes vont arriver petit à petit. Donc, on a des notes de fruits noirs, mais des fruits noirs très mûrs, très ensoleillés. On a des épices, on a de la minéralité, on a du chocolat. Enfin, c'est… voilà, ils arrivent, on a beaucoup d'arômes. C'est vrai qu'on sent le chocolat, maintenant que vous me le dites. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Non, mais il y a des trucs souvent… Voilà, il y a même des notes florales, si toi qui es maintenant jardinier, pivoine, violette. Ah ouais, vous avez raison. En bouche. En bouche. Alors, trop bien. C'est très bon, c'est très velouté. On retrouve les fruits dès le départ. Ouais, c'est bon, ça. Le côté mentholé, réglissé qui donne un petit peu de fraîcheur. Mais on a aussi ces tanins poudreux, très soyeux, qui collent un peu au palais, qui nous indiquent quand même que ce vin va pouvoir aller beaucoup plus loin dans bien la garde. Voilà. Et on retrouve ce côté un peu cacaoté, chocolaté, cerise en finale. Voilà, ça n'arrête pas, quoi. On a un vin absolument complexe dès sa jeunesse. Alors, comment le déguster? Alors, comme il est jeune, on peut l'ouvrir aujourd'hui. Alors, je vous conseille vivement de le passer en carafe quand même, dans sa jeunesse. J'en verrai sa belle couleur. Voilà, une heure de carafe, ça va permettre de ressortir un peu plus le fruit, d'assouplir un petit peu la structure. C'est un vin qu'on va, on va se régaler aujourd'hui sur une viande rouge, magret de canard, agneau, etc. Simplement rôti, bien sûr. Une belle viande. Ça sera un vin qui ira merveilleusement bien aussi sur du gibier ou des sauces un petit peu plus tard, dans 4 ou 5 ans. Voilà exactement le vin qu'il faut avoir dans sa cave pour surprendre les amis, parce que c'est une très belle bouteille. Parfait. C'est fabuleux. Moi, je vous remercie, Jean-Michel. Donc, la cuvée Pau de Poeira, donc de la Quinta de Poeira. Et on est sur une appellation Douro 2015. Superbe vin. Merci Jean-Michel pour cette belle découverte et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation, je ne sais pas comment on dit en portugais. Mince, moi non plus. Tant pis.